hop là. Merci mon gamin, tu es si gentil avec nous. À hors d'air et hors d'eau. Et Merlin, bah évidemment, il donne un petit coup de main. Vous êtes beaucoup trop mignons comme ça. Ce soir, vous terminez la bougie. François, il s'est fait un petit hôtel de la gloire avec ses machines. J'ai pas assez de place pour mes vis. Il y a encore plein de place pour mettre plein d'autres machines si tu veux. Bon, il fait le saut, mais il vient de ranger la cave, il est tout content. Et voilà, c'est propre. En plus, on a une lampe maintenant. Des lampes. Oui, des lampes. Vu qu'il fait noir tôt, ça fait bien plaisir. Vous voyez ce petit truc hyperactif là? Bah en fait, il se promène partout dans le quartier et il est très gentil et voilà, il fait pas de mal à une mouche, mais les voisins nous le ramènent souvent. Du coup, c'est quand même mieux de mettre un portail. Ouh, il y a François qui m'appelle. Je vous explique le plan. Donc, on va installer le portail sur le côté de la maison. Il mesure 3,50 m et on a 5 mètres d'espace. Donc, pour combler de chaque côté, il restera 70 cm. Et j'aimerais bien faire une structure en mur végétal. Voilà. J'ai un petit peu réfléchi à ça et voici les inspirations auxquelles je pense. Du coup, je vais essayer de trouver des morceaux de bois dans nos déchets pour essayer de faire les structures. Et alors, on a des restes de paillasse de quand on avait fait notre chape. Bon, idéalement, j'aurais voulu des plus petits carrés, mais voilà, on va faire avec ce qu'on a. Hein. C'est là, donc on pense les garder aussi pour notre future terrasse, pour plus tard. Ben voilà, je peux bien en prendre un petit peu, hein. François va pas m'engueuler. Je vais essayer de regarder la petite salle, mais clairement, c'est pas moi la plus forte en bricolage ici. J'ai besoin de mon mari. J'ai besoin de mon mari. Inspecte notre toit, loulou. Ah oui, qu'il a la classe comme ça avec ses lunettes toutes rouges. We'll be right back.
fourmis. Ça, c'est bien les border collies. Présenter le portail, on est en train de mesurer pour voir comment on va faire. Et alors on a découpé aussi les morceaux de paillasse pour faire une structure ici en bois et venir rentrer la paillasse dedans. Et j'ai été chercher de la vigne vierge. Oui, ça c'est pour remplacer un petit graminier qui est mort là-bas. Tchaloum. Et donc la vigne vierge, ce serait pour mettre sur la paillasse pour qu'elle fasse un espèce de mur végétal. J'aime bien ça. Là, les petites ardoises que je casse au marteau. C'est un dernier couvreur qui nous a déposé des ardoises, des chutes d'ardoises. Et voilà, je les mets pour recouvrir un peu notre parterre pour que ça soit un peu plus joli. Et j'évacue comme ça mes émotions négatives. Je vous montre, démonstration. Voilà. Ce dimanche matin, on va retirer cet échafaudage. J'ai trop hâte parce que j'ai envie de faire des belles photos de la maison. Mais je ne peux pas. Voilà, on va entreposer cet échafaudage. Ça faisait 2 mois qu'il était devant la maison. Je suis trop contente. L'échafaudage. C'est gai parce que ça devient propre, l'extérieur en tout cas est terminé. Donc ça, la maison commence à avoir sa petite tête finale. Et sinon aujourd'hui c'est un jour pluvieux et je viens d'aller voir le toit plat et ce qui est bien c'est qu'on voit que tout fonctionne bien. Enfin, en tout cas il n'y a pas du tout d'eau qui stagne. Donc François a super bien fait la pente. Bravo François! Qu'est-ce que t'en dis, Lily? Travaille bien avec ton papa. Papa, il fait les caissons pour l'isolation. Sans transition, on est le lendemain après-midi. Je suis passée sur le chantier après le boulot. Vous montrer ce que François a fait hier soir pendant que moi, je faisais mes petits trucs de maman avec Lison. C'est pas mal, mon chéri. C'est même très très bien. Tadam! Voici les caissons pour l'isolation par ici. Et il ne restera plus que ce côté-là. Et puis on sera bon. Et la petite partie ici. On arrive tout doucement à l'isolation. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai quand même super hâte que la maison soit enveloppée de son petit manteau d'hiver. Bon, sinon, pour parler un petit peu timing, dans un mois pour Noël, on a commandé notre isolation, notre mousse projetée au sol au rez-de-chaussée. Et on ne peut pas marcher sur cette mousse-là indéfiniment, pas trop longtemps pour l'abîmer. Donc il faut qu'on fasse le chauffage au sol tout de suite dans la foulée parce qu'on a envie de mettre un chauffage au sol. Donc on a commandé nos matériaux pour le chauffage au sol quelques jours vraiment après la mousse. Donc voilà, d'ici un mois, on aimerait avancer sur l'isolation des murs, sur les évacuations et l'électricité. Voici nos projets pour le mois à venir. Et je crois que c'est quand même pas mal en fait. Allez, vite sur ce, moi je retourne travailler et je repasse tantôt pour filmer le coffret électrique qui va être changé. Et le frère de François est passé, mais il n'a pas fait que jouer avec Lily. Il est surtout électricien de profession et il a refait notre coffret électrique. Ça va, ça avance bien? Et une fois que ça c'est fait, on peut le barrer de notre to-do list et passer aux questions pour l'isolation pour bientôt commencer l'isolation des murs.
21h, une petite nocturne avec François. Et quand je suis arrivée, en fait, il n'était pas là. Il a travaillé toute l'après-midi, mais il venait de rentrer à la maison. Mais bon, je suis venue avec l'apéro, donc du coup, il me rejoint quand même. Et François, cet après-midi, il a bien travaillé. Il a fait l'autre côté. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle on isolera toute la maison. Ou presque.